suis, je vous en prie, réveillez-vous. Pas de doute, c'est bien une pluie de météores. Alerte à tout l'équipage. Des météores viennent droit sur nous, des météores viennent droit sur nous. Tout le monde sur le pont. Oh là, qu'est-ce que c'est? Et redresse le vaisseau, triple buse. N'y arrive pas, capitaine Brick. Donne-moi ça. Eh ben, mais d'où elles viennent, toutes ces météorites? Ça y est, l'orage est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? On se croirait en plein brouillard. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y vois pas plus que toi, moi. Oh non, on a dû heurter un objet volant non identifié par l'avant. Oh, là, c'est sûr, on a heurté quelque chose. Espèce d'incapable, vous ne pouviez pas me prévenir, non? Quand je pense que je suis scondé par des idiots pareils. Dis, t'as perçu quelque chose, toi? Eh ben oui, et là, c'est... Ah, mais qu'est-ce que t'as? On dirait des lianes de l'espace. Heureusement, elles ont pas l'air vivantes. Oh, 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 ça bouge, elles sont vivantes. Ah oui, mais si on monte vite, viens te remonte. Si les lianes ont réagi comme ça au choc, c'est qu'elles sont vivantes et qu'on doit être sûrement tout près d'une planète. Il faut que j'aille voir si c'est une planète hospitalière ou non. Philbert, je t'en supplie, ne fais pas l'imprudence. Bon, maître Cornelius, je vous confie le commandement pendant mon absence. Tâchez de ne pas vous endormir, je compte sur vous. Quant à toi, souk, matelot. Souk. 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 Eh ben, il y en a du brouillard. C'est à peine si j'aperçois le bout de mon nez. Souk. Oh mon papa, regarde, il y a encore des lianes de l'espace. Mais vite, continue à ramer, Fulbert. Ah bah oui, qu'est-ce qui se passe là? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ris, Moustigri? Mais c'est pas moi qui ris, papa. Ni moi. Oh, mais qui c'est cela? J'en sais rien, mais quelque chose me dit qu'on ferait bien de filer. Oh oui, capitaine. Vite, rentrons au vaisseau! Capitaine, ils nous poursuivent! Plus vite, Fulbert, plus vite, dépêche-toi! Nous sommes perdus! Où ils nous emmènent? Je me demande pourquoi ils nous ont pas dévorés tous de suite, ces monstres. Oh, après tout, ils ont l'air plutôt sympathiques. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser. Dites, vous avez vu que quand ils arrivent, eh ben les lianes, elles s'écartent comme si elles avaient peur. Au secours! Oui, en maison. Eh ben, nous voilà déposés. Au secours! Allez, dépêchez-vous, je m'enfonce! Oh, mais enfin, où étiez-vous passé? C'est vrai! Vous êtes là pour protéger ma royale personne contre les lianes de l'espace! Enfin, puisque vous êtes là, je veux bien vous pardonner!
Oh. Dites-moi, vous autres, c'est pas vous qui avez détourné mes fidèles gardes de leur devoir qui est de veiller sur ma personne? Eh ben, en fait, c'est eux qui nous ont capturés et qui nous ont conduits ici, vous savez. Oh, mais ça change tout. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'étais attachée au fond de cette mare par la vilaine princesse Crapaud. Elle en a profité pour prendre ma place et devenir reine alors que c'est moi la vraie reine. Alors t'es une vraie reine? En effet, c'est moi la reine des grenouilles de cette planète. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vos deux bouffons vous ont pas détassé. Oh, c'est très simple. La princesse Crapaud leur a jeté un sort qui les empêche de parler, mais aussi par-dessus le marché, qui les empêche de se servir de leurs pattes. Ah oui, c'est pour ça qu'ils font que rire, hein. Oui, mais vous allez m'aider, oui ou non? Papa, tu crois pas que tu pourrais la détacher avec l'aide de Fulbert? On va essayer, Moustigri. Ah, vous ne pas vous dire que j'avais justement pris un bain le mois dernier. Toi, tu vas surveiller nos affaires, Moustigri, mais tu ne t'approches pas de l'eau, c'est bien compris? On y va. Oh, merci, je vais enfin pouvoir me sécher. Ah non, ce sont les soldats fourmis de la reine Crapaud. Vite, allez vous cacher dans les bois. Viens vite, Fulbert. Regarde là-bas, des humains. Dépêche-toi, Fulbert, je crois qu'ils nous ont vus. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Je crois qu'ils m'ont capturé, sauvez-vous, Capitaine. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es simplement pris les bretelles dans une branche et c'est tout. Vraiment? Oh non, mon papa, ces fourmis l'ont capturé, il est perdu. Mais non, ne crois rien, Moustigri, ton papa n'a rien. Ils l'ont simplement endormi avec leurs antennes, tu verras, il se réveillera bientôt. Et là, ce sera pas ici, mais au château de cet horrible crapaud. Mais ne te tracasse pas, Moustigri, je le connais bien. Et je te jure sur ma couronne que je trouverai un moyen pour délivrer ton papa et son ami. Alors, et mon royal dîner, je te préviens, incapable, ma patience a des limites. Et si tu ne me sers pas bientôt à manger, c'est toi que je vais croquer pour calmer ma faim. Mais votre suprême luminosité, comment est-ce que je peux vous préparer de bons petits plats si nos soldats fourmis ne regarnissent pas le garde-manger? Oui, tu as raison, ces fourmis sont des traîtres, elles ont juré de me faire mourir de faim. Majesté, majesté! Voilà qui est parfait. Ça m'a l'air délicieux tout ça, je vais me régaler. J'espère qu'ils ne seront pas trop cuits. Non, majesté, ils seront cuits à point. Oh non, on est arrivé trop tard. La porte est déjà refermée. Il y a bien cette fenêtre. Peut-être que si on te fait la courte échelle, tu pourras y monter, Moustigri. Alors, est-ce que tu aperçois quelque chose? Ben, ils sont dans les cuisines. Mais alors, comment les préparer? Je les rôtis ou est-ce que j'en fais un ragoût exquis? Oh non, 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 pas ça. Ils sont bien donnés. Alors, je vais les découper et les faire rissoler dans du beurre d'épinard. Oh, oh, papa! Vite, disparaît! Oh! Mais où ils sont passés? Oh là là! Vite, vous avez vu, capitaine, ces idiots allaient nous découper comme des volailles! Oui, je l'ai vu, Fulbert, et je crois qu'on a eu de la chance de se réveiller à temps. Je me demande s'il est encore là. Oh! Alors on croyait m'échapper, hein? Oh là là! Oh yeah yeah! Oh non! Oh yeah yeah! Oh yeah yeah! Parfait, maintenant je sais ce que je vais faire avec vous. Je vous passe à la moulinette, les amis. Comme ça, au moins, vous ne vous échapperez plus. Oh! Oh non! Oh, vite, Fulbert! Il faut qu'on disparaisse! Oh oui, ah oui! Ah bah oui, ah bah oui! Hein? Mais c'est pas vrai, voilà qui recommence! C'est le moment de courir vite, Fulbert! Viens, coucou, c'est sur moi, capitaine! Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est les petits humains, ils s'échappent, Majesté. Oh non. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a, Moustiquerie? Oh, c'est la vilaine reine, elle a avalé Papa et Fulbert. Tu en es sûre? Regarde encore. Oui, tu as raison. Tu sais, nous, les bobolins, on peut voir à travers les gens. Je vais essayer de voir où il est, mon papa. Victoire, ils sont encore tous les deux dans sa bouche. Oh, je... Ouais, ben maintenant, je me demande comment on va pouvoir sortir de là. Si on descendait par là, capitaine, qui sait, il y a peut-être une sortie. Non, Fulbert, reste où tu es. Ah, pourvu que l'eau ne lui vienne pas à la bouche, elle nous avalerait d'un seul coup. Sans nouvelles du capitaine Brick et de votre frère et de Moustigris. Mais enfin, Cornelius, faites quelque chose! Retrouvez Fulbert, vous entendez? Ouais, c'est vrai, pour une fois, Perronel a raison, Cornelius. C'est vous le capitaine pour l'instant, alors c'est à vous de savoir ce qu'on doit faire pour les sauver, bien? Et tâchez de vous dépêcher ou vous aurez affaire à moi! Ainsi qu'à moi, parce que je vous avertis, si vous ne retrouvez pas le capitaine Brick, eh ben c'est moi qui vous en tâche une sur la tête! Mais on s'en moque du capitaine, seul mon frère compte! J'ai compris? Je vois, vous vous en moquez de mon frère. Monstre et bandit. Vous mériteriez que je vous fasse avaler votre rouleau à pâtisserie. Allons, c'est pas le moment de se disputer. Elle m'a traité de monstre, je peux pas laisser passer ça. Et comment on appelle quelqu'un qui nous empoisonne avec sa cuisine? Hein? En nom d'une planète, je rêve, il m'a semblé voir des grenouilles habillées en clown. Hein? Eh oh, les amis, c'est moi. Vous me reconnaissez pas? Ça, par exemple, mais c'est Moustigris, c'est lui et il a rien. Hé, hey, c'est Moustigris, il arrive par ici. Mais ils vont très bien, je les ai vus dans sa bouche, grâce à mon super pouvoir. Ils sont là tout contre ses joues. Oh, mais ils peuvent pas rester là, il faut les faire sortir et vite. Oui, mais enfin, il faudrait que la reine ouvre la bouche en grand, enfin, pour qu'ils puissent sortir et s'échapper, mais comment en arriver à ça? Où j'ai trouvé, on va construire un robot chanteur. Elle aussi chantera et ouvrira la bouche. Et hop. C'était la reine de Renette, et elle a fait une drôle de tête. Pourtant, elle était pas bête. Est-ce que tu peux te taire un peu, Fricure? Je crois que Léliane n'apprécie pas ta musique. Mais elles sont pas les seules à la détester. Hein, c'est comme ça, hein? Eh ben, je vais les dresser, moi. Vous allez voir. Non, fais pas ça, Fricure. Tu sais, elles vont finir par se fâcher pour de bon. Aïe, ben, faudrait bien voir ça. Non, mais elle te les tient. Ah oui. C'est ici que loge cette usurpatrice. Oh, mais je n'avais pas prévu que sa chambre serait aussi haut. Le robot est bien trop petit. Et vous êtes sûr que vous ne pouvez pas changer vos plans? Ça doit pas être bien difficile. Oh, c'est vous qui le dites, Majesté. Il faut absolument qu'on arrive à le rendre 10 fois plus grand. Alors concentrez-vous bien. Oh ben c'est pas vrai, le voilà qu'il est devenu tout petit. Oh mais non, quel idiot, j'avais dit plus grand, pas plus petit. Qui c'est qui a fait ça, hein? Bon, on essaie encore, mais cette fois, concentrez-vous bien. Ça y est, ça marche.
Oui, continuez, continuez. Bien, ça va, il me donne presque le vertige. Bon, maintenant, ça va être à toi de jouer, Friture. Comptez sur moi. Oh, attention, tu me fais mal, idiote. Mais dépêchez-vous, voyons, je n'ai pas que ça à faire. Ce n'est pourtant pas difficile. Je suis si belle au naturel que c'est un jeu d'enfant de me rendre encore plus magnifique. Allons, allons, allons plus vite mes poudres, mes onguents et mon miroir. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin contempler ma beauté rayonnante. Et voilà, c'est fini, Majesté. Très bien, miroir, dis-moi quelle est la plus belle reine crapaud de tout ce château, hein? Oh, oh non, vite! Filou du ciel va encore dire que c'est notre faute! Misérable petite fourmi, je vais vous croquer toute crue! Vous avez cassé mon miroir! Mais il s'est cassé tout seul, Majesté! C'est ça! Dites tout de suite qu'il n'a pas supporté de me réfléchir, petite insolente! Attendez seulement que je vous attrape et vous allez voir! Oh! Mais quel est ce beau baladin qui chante pour moi? Oh, il m'envoie des compliments. Elle était vraiment abjecte, c'était la reine des reines. Comme c'est romantique, je suis émue. Elle était verte, oh ma douce reine, qu'aucune horreur me freine. C'est vertu. Il y a si longtemps que j'attends ça. Oh là 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 là, tout est beau, ton petit cœur est tout chaud. T'entends ça? J'en crois pas mes oreilles. Ce crapaud a dû recevoir un pot de fleurs sur la tête. Pour toi qui bats mon petit cœur tout frais. La 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 la. C'est pas supportable, faites-le taire. Tu veux tout faire rater. Attention, elle va sauter, regardez. Voilà, j'arrive, mon bien-aimé. Oh non, alors c'est pas vrai, elle va quand même pas faire ça. Mais si elle le fait, oh. Oh, me voilà, prince, tu m'as appelé aussitôt, je suis accouru comme ça. Vite, filons d'ici. Ah non, je vais filer, je vais. Dépêchez-vous, allez, plus vite. Eh bien, tu ne dis rien, Olivier la timide, il ne sait plus quoi dire. Je ne te savais pas si romantique au point d'aimer une poupée, crapaud. Une poupée? Mais oui, c'est un faux crapaud. Oh, pauvre de moi, on m'a joué un tour. Oh, ma couronne, rends-moi ma couronne immédiatement, c'est compris? Non, crapaud, tu t'étais emparé de cette couronne par traîtrise. Tu n'es pas la reine de cette planète. Wow. Comme je suis humiliée, que vas-tu faire de moi? Pour ta punition, tu feras la cuisine jusqu'à la fin de tes jours. Une grande reine doit savoir pardonner à ses ennemis, votre majesté. Oh, merci beaucoup, capitaine Brick. Sans vous et vos amis, je n'aurais jamais pu récupérer mon trône, vous savez. Oh, mais ce fut un grand honneur de rendre service à votre majesté. Pourquoi vous ne resteriez pas un peu? Vous pourriez assister à mon couronnement. Oh, ce sera avec joie, votre majesté. Hé, hey, crapaud, dépêche-toi un peu. Les invités attendent. Chers amis, je profite de ce que nous sommes tous réunis pour lever mon verre au Bobolens. Je me demande quel plat on va nous servir après. Pas des cuisses de grenouille, en tout cas. Et si on fabriquait un robot copié sur Friture, qu'est-ce que t'en dis? Bon, ça, sa cuisine ne pourrait pas être pire. C'était la reine des reinettes, elle avait une drôle de tête. Mais elle était pas bête, son petit cœur de reinette, que rien ne freine. C'est vers lui que mon cœur m'entraîne. Faut dire qu'elle est la reine des reinettes. C'était le phénomène, Oh, bravo, monsieur Friture, vous chantez divinement. Ah, mais dites, j'ai pas rêvé. Excusez-moi, majesté, vous pouvez nous montrer comment on peut rejoindre notre vaisseau? Mais je vais moi-même vous accompagner tous pour vous souhaiter un très bon voyage. Les Bobolens avaient une mission à accomplir. Quelque part, là-bas, tout au fond de la galaxie, les attendait une mystérieuse planète qu'un jour on appellerait la Terre. Et sur cette planète vivaient des êtres qui leur ressemblaient beaucoup. Oh.
les chaloupes à la Voie lactée, les femmes et les astronomes d'abord, abandonner le navire. Eh ben, vous avez le réveil difficile, maître Cornelius. Bien d'autres aventures attendaient nos amis.